Yo tout le monde, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Far Cry 5. Donc il est temps de boucler la région de John Seed à 100% et pour cette fois nous allons défoncer avec l'hélicoptère tous les silos restants. Donc on va prendre un hélico sympa je crois, on va prendre celui-là. C'est un hélico bonus que j'ai gagné. Comme ça en plus j'aimerais bien avoir les roquettes pour que ça aille encore plus vite car leur tirer dessus je pense que ça mettra un peu de temps. Hop là voilà. Bon, il n'y a pas de roquette sur celui-là, mais c'est pas grave. On va aller s'occuper des silos. Alors, on va voir où est-ce qu'il y en a un le plus proche. Ah, bon allez, on va aller à celui-là. Donc excusez-moi s'il fait nuit, hein, mais bon. J'ai essayé de voir s'il y avait moyen de passer le jour et la nuit. Donc je ne crois que dans mes souvenirs, à la prison d'Hop Country, il y avait un lit pour dormir, mais bon, je ne l'ai pas retrouvé. Et dans les commentaires, pas mal me disent qu'on ne peut pas passer la nuit. Comme dans les anciens Far Cry où on pouvait attendre, ce qui était beaucoup mieux. Puisque la nuit, même si c'est un jeu récent, on a un peu du mal à y voir. Donc c'est parti. Et voilà, donc normalement je devrais tous les avoir trouvés, ce qui va nous arranger. Alors qu'il reste 10 à défoncer. Ça va aller très vite. Hein. D'ailleurs je me demande si je vais en faire une vidéo ou si je enchaîne la région de Jacob à la suite. Hop là. Oh bah merde, je me suis fait rôder. Bon, je crois qu'il doit être mort. Allez. Le silo suivant. Il y en a ici. Oh, le petit camion. Hop là, il n'y a plus de camion. Ah ouais, c'est quand on va détruire tout le monde au passage. J'en ai laissé un ici. Alors c'est parti. Donc j'ai vu dans une de mes vidéos qu'au début il y avait des lags, ce qui m'a d'ailleurs étonné, puisqu'après ils sont partis, mais chaque fois que je record avec Shadowplay, je n'ai aucun problème de lag. Donc c'est un petit mystère. J'espère que ça ne le fera pas. Tiens, c'est quoi ce bâtiment là? Ah oui, c'est la l'usine d'engrais. Vous avez rien vu. Allez, est-ce qu'on va la voir d'ici? Oh là, précision de merde. Hop là, c'est bon pour celui-là. Est-ce qu'il y en a ici? Alors, on va remonter la côte, hein, vous savez quoi? Ah, ça, c'en est un par contre. Ah, lui, je l'avais pas trouvé, vous voyez? Est-ce que c'est un engrais? Est-ce que c'est un truc d'engrais ça d'ailleurs? Ah, mais il est déjà pété. Merde, je suis con. Alors, on va remonter un peu plus haut, voir où est-ce qu'il y en a d'autres. Ouais, bah vous savez qu'on va s'attaquer à ceux qui sont par là. En plus, avec un peu de chance, le jour il passera vite. Ah, la nuit passera vite, on pourra être en plein jour. Putain, c'est bizarre, il y a des fusées de détresse ennemies alors que je suis censé avoir sécurisé les lieux. D'ailleurs, ça me une petite anecdote, hein, ça me rappelle que j'ai appris il n'y a pas longtemps d'après un youtubeur que sur Far Cry 2, les postes qu'on avait sécurisés, ils pouvaient être repris dans les prochaines heures. Et ça m'avait totalement étonné puisque je ne me rappelle pas du tout avoir dû reprendre certains avant-postes sur Far Cry 2. De toute façon, il y en avait la blinde, hein.
C'est presque impossible de les faire à 100% sans que tu en aies un dans l'heure suivante qui soit repris par l'ennemi. Bon, c'est pas très rapide l'hélicoptère. Faudrait que j'en achète un peut-être plus rapide. Ah voilà, ça c'est fait. On en a un par là. Au niveau des pommiers. Mon chien, est-ce qu'il me... Où est-ce qu'il est mon chien? Waouh, putain, cette fusée, il va super vite. C'est ça les chiens à la Far Cry. Voilà. Alors, on a fait ce à l'extrémité. On va redescendre par là. Là, j'en ai un par là. On va voir sur ma route d'ailleurs si j'en ai pas un autre parce que c'est... C'est quand même un peu loin celui-là. Quoique la région de John c'est vraiment la plus petite hein. Fais du combien de kilomètres heure? Putain, je n'arrive pas à voir avec le panneau de bord. Putain, j'avance. On doit faire un petit 100 à l'heure, je pense. Même plus. Peut-être parce que c'est l'altitude, j'ai l'impression que j'avance pas très vite. Ah là là, Fall's End. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y en avait un autre quelque... Tiens, je l'ai pas découvert cet endroit. On va aller faire un petit tour. Voilà. Ah, la précision elle est pas terrible avec l'hélico hein. Et surtout c'est la portée. Voilà. Suivant elle est ici.
Peut-être parce que ouais, j'avais pris trop d'altitude. On va voler à peu près ici. Voilà. Hop là. Est-ce que j'en ai un à d'autres endroits? 14, non, c'est bon, j'ai tout fait. C'était le dernier. Bravo, officier. Ça devrait bien réduire la puissance de feu de la secte. Et ce sera irréversible. Ils vont se montrer beaucoup plus prudents après ça. C'est un sacré coup de pouce pour la résistance. Du très beau travail. Et voilà. Avant de se quitter. Bah avant de continuer, je vais faire une coupure tout seul, hein, je pense. Avant de se quitter, on va aller faire un petit tour ici. Qu'on n'était pas allé voir. Est-ce que je vais spawner en hélico? Ah ça, j'ai pas vu d'ailleurs si en avion ou en hélico les voyages rapides ce que ça donnait. Ah non, je suis à pied. Tempi. Et voilà, un des derniers petits lieux qu'il fallait que je découvre. C'est vrai qu'ici je n'étais pas allé trop faire un tour. Mais juste aller au bout voir ce qu'il y a. Il y a un magazine là-bas, cette tente que je vois abandonner. Même si j'ai pris l'option nager plus vite, la brasse là, pour l'instant, elle est. J'ai pas l'impression qu'elle est. J'ai l'impression qu'ils l'ont même diminué. Est-ce que ça. Est-ce que je vais vite si je nage sous l'eau? Ouais, ça va. Rien de grand, de bien intéressant. Pas le temps pour toi, mon nounours. Bon, et ben, je vais faire une coupure ici, je pense, et nous pourrons nous retrouver pour la suite.